Les champs de la coopérative Terre Promise, dont je suis la présidente. Parce que quand on appelait les champs de Madame Inko, Inko c'est moi, Inko Germaine c'est moi, mais nous travaillons en groupement depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas dans le district de Djambala et dans le village d'Aba. Mais nous sommes déplacés jusqu'ici à cause de la mécanisation. Parce que Djambala sur place, il n'y a pas de tracteur. Donc, on faisait un peu avec la main-d'œuvre locale, mais on s'en sortait difficilement. C'est pourquoi, comme là, j'ai fait admettre mes droits à la retraite, j'ai trouvé que comme je pourrais mieux gérer, je m'éloigne, je fais grand. Et donc là, plus bas, nous allons peut-être voir ça. Le champ qui est là, du coin là, jusqu'à l'autre coin là-bas, en longueur là-bas, il s'étend sur 4 hectares. C'est le premier que nous avons fait dans cette zone, il a déjà 10 mois. J'ai même récolté prématurément quelques pieds là. Donc, il y a 10 mois. Parce qu'ici, le cycle, c'est deux fois par an. Donc là-bas, on avait planté en décembre 2017. Là, on avait commencé le planting en mai. En mai et vers juin, on a planté l'autre côté là-bas. C'est pourquoi ici, c'est un peu plus évolué. Donc, c'est ça que nous avons. Donc là, tout dernièrement, nous venons de pulvériser notre champ un peu plus loin maintenant de l'autre côté de... Carrément de. Un peu avant. En traversant, comme ça, c'est un peu loin d'ici. Parce que nous, on ne fait pas successivement. Parce que nous sommes nombreux ici. Il y a les premiers implantés. On a eu beau payer les droits chez les propriétaires fonciers. Mais ceux qui sont là avant vous disent que non, c'est moi qui ai déjà réservé cette partie-là pour cultiver. Donc vous devez aller chercher un peu ailleurs. Mais ici, au moins, les deux champs sont coulés. Donc là, nous sommes sur 1,5 hectare. Il est âgé de 4 à 5 mois, 5 mois de ce côté-ci et 4 de l'autre côté là-bas. Là-bas, nous avons 4 hectares. Bon, qu'est-ce que tu entends faire avec ton produit? On produit sur le manioc. Oui, celui-là. Qu'est-ce que tu entends faire? Je le vends en cossette. Je le vends préparé en chikwang, si jamais je trouve un marché de tubercule. Comme on parle de l'usine d'Oyo. Ça, non? Ils me prennent ça, si ça m'arrange. On n'a pas pensé encore, c'est à la production que vous allez... Comme toujours. Quoi faire. Comme toujours. Non, avant... Vous organisez comment? La coopérative, nous sommes au nombre de 16. Il y a des jours pour venir travailler. Voilà. Donc, des jours pour venir travailler. La coopérative, c'est chacun sa parcelle? Non. C'est comme un GIC. C'est... Ça veut dire qu'un groupement d'intérêt commun. Chacun n'a pas sa parcelle. Ensemble, et vous repartissez le fruit de la production. Voilà, exactement. Donc, le plus important, c'est peut-être de travailler en réseau avec d'autres producteurs du manioc. Ça fait que vous avez une bonne quantité. Ouais. Ça peut maintenant attirer un industriel, par exemple. On ne souhaite pas mieux. Mais vous avez pensé un jour faire du tapioca? Ça vous dit quelque chose, le tapioca? J'entends parler, seulement. C'est une technique aussi très simple pour conserver le manioc. La transformation non, qui est... Non, il y a des différentes. Quand vous voyez le nom différent, le manioc en bête.
Il y a les tubercules qui d'abord durent plus longtemps que les autres pour arriver à maturité. Il y a des tubercules qui sont amers, il y a aussi des tubercules qui sont préparés seulement comme ça. Il est amer et puis il peut faire mal. Peut-être orienter votre production vers quelque chose qui va être plus rentable. Il peut être transformé, plus rentable. On peut aussi orienter sa production.